Au départ, je travaillais d'après des photographies que je prélevais sur Internet. Et petit à petit, j'ai commencé à fabriquer le sujet de mes peintures. En fait, je décide de commencer à fabriquer moi-même les objets au moment où je m'aperçois que le point de vue est décisif dans la façon dont on va lire l'objet. Et donc le seul moyen pour pouvoir maîtriser toutes les contraintes de lumière et de point de vue, c'est de pouvoir manipuler moi-même l'objet. Plus je vais choisir un objet petit au départ, plus il va perdre des détails en fait. Plus il va être débarrassé en fait de tous les détails qui vont permettre au spectateur d'identifier son échelle. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est justement que l'objet en fait prenne une sorte de liberté et devienne complètement ambivalent. Dans ces petits objets, donc ça peut être des figurines, ça peut être des rebuts, ça peut être ramassé simplement au sol ou emprunté à quelqu'un. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de mon quotidien et que ensuite je vais modifier par les étapes du moulage et de la photographie. Alors je peux aussi reponcer l'objet ou le manipuler, le couper, voilà, lui faire subir en fait toutes sortes de manipulations. Et donc dans ce procédé, voilà, plus il lui arrive de choses, en fait, plus il va perdre son identité de départ. Ce procédé, il pourrait apparaître répétitif, mais il est à chaque fois habité par un contexte différent. Et donc au départ, il y a souvent un lieu, en fait. Ça peut être une personne, ça peut être un geste. Ça peut être une lecture aussi. Et puis à partir de là, je vais faire des recherches en fait documentaires. Et ensuite, je vais aller à la recherche de ces objets de départ. Quand j'ai commencé à travailler sur les formes animales, je suis partie en Turquie faire une exposition. Et j'ai découvert plusieurs sites archéologiques, dont un site qui s'appelle Nemrut, qui est en fait au sommet d'une colline rocheuse et sur laquelle on a retrouvé des sortes de têtes monumentales, à la fois humaines et animales. Donc voilà, pour moi, c'est des images très marquantes et c'est à partir de ces images que je vais essayer de reconstituer ce que j'ai en tête. Dans l'antique, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher une sorte d'essence de l'objet qui tend vers une dimension abstraite. C'est Rodin qui disait que justement, plus ces objets antiques, enfin, il avait toute une collection, et plus ces objets étaient abîmés, en fait, ils n'avaient pas forcément de valeur, plus ils étaient intéressants pour lui, parce qu'on reconnaissait de moins en moins l'objet de départ. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est une sorte de lissage, en fait, des détails qui vont augmenter l'objet de lectures multiples en fait. C'est vraiment des images que qui se forme en fait quand je suis en train de lire. Et donc c'est en fait une tentative de reconstituer ces représentations mentales. On peut dire que le cœur du travail en fait, c'est que je peins des sculptures. Et c'est quelque chose qui a toujours été présent parce que justement, ce qui m'intéresse aussi, ce que je cherche aussi en peinture, c'est à donner en fait le désir au spectateur d'aller tenir en fait, d'aller saisir ces objets, voire même de les goûter en fait. Donc il y a cette sensation haptique en fait que je recherche. Et,
Et donc forcément, et ben tous les tenants et aboutissants de la sculpture vont être présents dans la peinture, c'est-à-dire les questions de poids, questions de texture. Finalement, c'est les mêmes questions qu'en sculpture, mais qui seraient transposées en peinture.